Axéo et Axéo Lang, parce qu'on a même trois solutions pour le coup. Donc, vous avez Tadeo, Axéo et Axéo Lang. Il faut savoir que c'est les deux marques Tadeo et Axéo appartiennent à un groupe qui s'appelle Delta Process. Et pour vous expliquer un petit peu notre métier d'origine et comment on est venu à créer ces solutions, donc je vais vous expliquer un petit peu quel était le métier de Delta Process d'origine, parce que ce n'est pas les mêmes métiers que Tadeo et Axéo. Et donc Delta Process de base, nous sommes architectes maîtres d'œuvre et notre métier est d'accompagner des enseignes françaises à déployer leur concept de magasin sur le territoire. Donc vous allez vous dire, c'est très amusant, mais quel est le rapport avec le handicap auditif? Et vous allez vite comprendre. Et en fait, avec la société Delta Process, donc, dont le métier était d'accompagner donc, des enseignes à déployer leur concept de magasin en France, donc une entreprise qui existe depuis 1993. Et en fait, on a accompagné l'enseigne SFR à créer tout le parc des magasins SFR en France depuis la création de SFR. Et en fait, cette enseigne nous ont demandé dans les années 99-2000 de créer pour eux un personnage interactif qui allait être à même de gérer le service client dans les magasins. Donc en fait, c'était un avatar qu'on implantait dans les magasins SFR. Donc ça, c'était tout début des années 2000. Et on a mis ce personnage en test précisément sur le magasin SFR des Champs-Élysées. Donc ça, c'était février 2000. Et en fait, quand on a mis ce personnage en test sur le magasin SFR des Champs-Élysées, au bout d'un mois d'utilisation de ce personnage, la direction des SFR nous a demandé à ce que ce personnage puisse s'exprimer en plusieurs langues étrangères du fait d'être implanté sur le magasin des Champs-Élysées où il recevait forcément des clients étrangers. Et nous, en fait, quand SFR nous ont sollicité pour cette ouverture de notre solution aux langues étrangères, on a étudié un petit peu le panel de langues en rapport avec la téléphonie mobile pour voir un petit peu quelles sont les langues qui étaient le plus utilisées. Et en fait, on s'est tout de suite rendu compte que les premiers utilisateurs du téléphone portable dans les années 2000, c'était les personnes sourdes et malentendantes avec le texto. En fait, c'est de là où a commencé notre aventure dans le monde de la surdité. Donc, on a évidemment étudié la population concernée sur le territoire et les solutions qui existaient à l'époque pour accompagner les personnes sourdes et malentendantes dans leur communication. Et j'ai envie de vous dire, bon, à l'époque, il y avait possibilité de faire appel à des interprètes en langue des signes française en présentiel, ou, comme je pense que vous le connaissez souvent, ils sortaient des bouts de papier à l'accueil avec un stylo pour essayer d'échanger avec les personnes sourdes, sauf que bon, ça se saurait si c'était les solutions adaptées pour échanger avec les personnes sourdes. Donc, on s'est dit, bon, tiens, il y a quelque chose à créer pour accompagner les personnes sourdes et malentendantes. Et on s'est surtout dit que la priorité, au début, était surtout l'accès à l'emploi du public sourd ou malentendant. Donc, on a commencé à créer en première partie la solution Tadeo que vous voyez au milieu. Donc, Tadeo qui est notre solution qui va permettre l'aménagement du poste de travail d'un salarié ou d'un agent sourd ou malentendant pour lui permettre d'être complètement autonome dans ses communications, que ce soit par téléphone, en face à face, dans des réunions ou des formations. Et aujourd'hui, avec Tadeo, on équipe un certain nombre de postes de travail aujourd'hui. Et à force de déployer la solution Tadeo auprès de ses salariés ou de ses agents sourds ou malentendants, c'est eux-mêmes qui nous ont fait un second retour en disant qu'avec la solution Tadeo, ils étaient complètement autonomes en milieu professionnel, mais quand ils sortaient du cadre professionnel, ils n'avaient plus aucune solution pour contacter un établissement public ou privé en tant que citoyen ou client sourd ou malentendant. Donc, en fait, à partir de là, on a créé Axéo qui repose exactement sur le même socle technologique que Tadeo, sauf que vraiment d'un côté, vous avez l'aménagement de poste avec Tadeo et Axéo pour l'accessibilité des établissements publics ou privés par téléphone ou en face à face auprès du client ou du citoyen sourd ou malentendant. Début 2017, on est revenu un petit peu à notre idée d'origine et vous voyez sous Axéo le logo Axéo Lang. Et qui là, j'ai envie de vous dire, on sort complètement du cadre de la surdité, mais les deux sont liés également, c'est qu'à force de déployer Axéo auprès de collectivités, auprès de services publics, de départements ou autres, ces mêmes établissements sont revenus vers nous en disant qu'avec la solution Axéo, la barrière de communication avec le client ou le citoyen sourd ou malentendant était tombée, mais qu'ils avaient un second problème, c'est qu'ils avaient une problématique de communication avec les personnes qui ne maîtrisaient pas le français. Et donc, c'est là où on a créé Axéo Lang. Et Axéo Lang, c'est vraiment un service de traduction entre un entendant et un autre entendant qui ne maîtrise pas le français. Et après, j'ai envie de vous dire, le problème de communication qui découle de la surdité, donc un problème de communication entre l'entendant et la personne sourde ou malentendante, c'est exactement le même problème qu'entre un entendant qui ne maîtrise pas le français et un entendant qui parle une autre langue. Donc, j'ai envie de vous dire, on est sur une problématique de communication, mais la solution, j'ai envie de vous dire, est la même. Vous voyez en partie basse de ce graphique, en fait, ça, c'est la masse salariale que l'on avait avant de créer Axéo et Tadeo. Donc, on était 15 salariés dans l'entreprise et donc sur la partie activité d'architecture commerciale. Et depuis qu'on a créé Tadeo et Axéo, on est monté à 120 salariés. Et vous trouvez bien que la différence de masse salariale entre les entités depuis le début, elles sont dues aux opérateurs Axéo et Tadeo qui ont été embauchés, qui sont salariés de l'entreprise, parce que c'est la plus grosse partie de la masse salariale de notre entreprise, bien évidemment. Parce que tous les opérateurs qui traitent les appels téléphoniques sont salariés de l'entreprise, ce qui amène justement une qualité de service. Alors, pour entrer plus en détail sur la partie solution Tadeo, donc dans le cadre des aménagements de poste de travail, il faut savoir que quand on aménage un poste de travail avec la solution Tadeo, donc nous, en tendant, quand on a un poste de travail, on a notre poste de travail informatique avec la partie administrative dessus, et on a notre téléphone à côté. Une personne sourde ou malentendante en milieu professionnel, son téléphone, ça va être un second poste informatique, donc un PC portable qui va être équipé de la solution Tadeo, qui va devenir son téléphone. Et grâce à cet outil, la personne sourde ou malentendante va pouvoir utiliser plusieurs modes de communication pour couvrir l'ensemble de la population des personnes sourdes. Donc, on fait aussi bien, comme vous voyez ici sur la gauche, de la visio-interprétation en langue des signes française que aussi de la traduction en direct en anglais, parce qu'un salarié qui est équipé ou un agent qui est équipé de notre solution, bien évidemment, il peut avoir aussi des échanges avec l'étranger. Donc, le fait d'avoir la possibilité dans les deux langues, ça lui permet de pouvoir échanger avec l'étranger. Le visio-codage LPC.
et la transcription également en français et en anglais, pour accompagner que ce soit une personne sourde, je dirais oralisée, ou une personne sourde exprimée en langue des signes, de la même façon, et en multilingue. Donc, ce qui permet justement, l'avantage justement de la mise en place de la solution Taleo sur un poste de travail, c'est que vous faites vraiment complètement tomber les barrières liées à la communication et que vous permettez aux salariés ou à l'agent sourd ou malentendant de prouver ses talents. On a déjà prouvé aujourd'hui que le fait d'aménager correctement un poste de travail, on permet à la personne sourde ou malentendante d'exercer ses talents comme n'importe quel salarié ou agent, et bien évidemment d'optimiser le travail d'une équipe, de favoriser bien évidemment les échanges, avec les collègues, les collaborateurs, la hiérarchie, mais aussi avec l'externe, donc les clients ou les fournisseurs, et bien évidemment d'offrir, comme je l'ai dit à l'instant, des perspectives de carrière qui n'étaient pas forcément offertes auparavant en aménageant correctement un poste. Alors, il faut savoir qu'avec l'outil Taleo, la personne sourde ou malentendante qui est équipée de la solution va pouvoir émettre et recevoir des appels téléphoniques, donc appels entrants et appels sortants. Bien évidemment, avec le même outil, assister à des réunions, des entretiens, des conférences téléphoniques, des visioconférences, des formations. Enfin, ça va vraiment permettre à la personne qui est équipée de la solution de pouvoir utiliser la solution dans n'importe quelle circonstance et d'être, je dirais, traité de façon équivalente avec un salarié ou un agent entendant qui serait dans une entreprise. Et il faut savoir, pour vous donner un ordre d'idée, sur les différents témoignages qu'on peut avoir sur les personnes qui sont équipées de Taleo aujourd'hui, on a eu des progressions professionnelles très impressionnantes suite à la mise en place d'un poste de travail équipé avec Taleo. On a eu des exemples de certains salariés d'entreprise. Je vous donne un exemple concret. On a eu dans une entreprise, une personne qui avait été équipée de la solution, même au tout début d'ailleurs de la création d'Axéo et de Taleo, sur son poste de travail, qui travaillait au service comptabilité d'une grande entreprise française. Et depuis qu'on lui a mis en place la solution, en l'espace d'un an et demi, il est devenu directeur financier de cette même entité. Donc, pour vous dire qu'une fois qu'on aménage un poste comme il se doit, ça permet vraiment aux salariés concernés de prouver ses talents et de montrer ses talents et de la plus-value et ce qu'il peut amener dans une entreprise ou même dans un service public. Voilà. Alors, il faut savoir que dans les options que vous avez dans Taleo, c'est exactement comme un téléphone. Donc, vous pouvez avoir un répertoire téléphonique, vous avez un journal des appels. Quand vous voyez sur l'écran justement la prise en compte de la voix, c'est surtout pour accompagner une personne sourde ou malentendante qui oralise. Une personne sourde ou malentendante qui oralise, par exemple sur notre solution, va utiliser le module de transcription. Donc en fait, c'est tous les propos que vont avoir un entendant à l'oral qui vont remettre par écrit à la vitesse de la parole sur l'écran de la personne sourde, comme ça, elle n'a plus qu'à lire à distance. Mais le gros problème que peut avoir aussi une personne sourde quand elle lit une transcription, c'est qu'elle n'a pas le ton sur lequel vous vous adressez à elle. Et le ton sur lequel on s'adresse à une personne est très important dans une communication. Et quand vous voyez prise en compte de la voix, c'est quand une personne sourde ou malentendante, et plus évidemment une personne gérée malentendante avec qui reste un reste auditif, elle va non seulement avoir la transcription en direct de ces échanges, mais elle va aussi entendre la voix de son interlocuteur pour avoir un petit peu la mélodie sur laquelle cette personne s'adresse à elle. Ce qui est très important pour une personne sourde qui va utiliser une transcription. Parce que le fait d'avoir que du texte, ça fait un échange un peu froid, j'ai envie de dire, dans l'échange, dans la communication. Alors que le fait d'annoncer à côté le ton ou la mélodie sur laquelle elle échange la personne, ça permet aussi de mettre la personne sourde en confiance et de savoir quel est le comportement de son interlocuteur. Et vous, bien évidemment, vous avez aussi une messagerie. Vous vous doutez bien que la messagerie sur un poste équipé de Taleo, ça ne va pas être une voix, sinon la personne sourde ou malentendante ne va pas forcément comprendre le message. Mais en fait, tous les messages sont retranscrits par les opérateurs Axéo et enregistrés sur le poste de la personne. Donc, quand elle retourne à son poste, une enveloppe qui clignote comme nous sur le téléphone quand vous avez votre répondeur qui vous appelle. Et la personne sourde, quand elle clique sur cette enveloppe qui clignote, elle a le message de son interlocuteur qui est remis par écrit et elle n'a plus qu'à lire le message et à pouvoir appeler la personne si elle a jamais la besoin. Et il faut savoir que ce soit que sur Axéo ou Taleo, donc là vous avez aussi une notion de qualité de service sur nos solutions, on met en place une qualité, une garantie de service de 95% des appels traités en moins de 30 secondes. Donc ça, c'est une garantie, une qualité de service que l'on met en place. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2020, malgré aussi ce qu'on a pu connaître avec le confinement et la mise en place du télétravail et le port du masque, bien évidemment, nos solutions ont connu beaucoup plus d'usages avec le port du masque et le confinement et la mise en place du télétravail. Mais là, sur l'année 2020, l'exercice a été qu'on a eu 99% des appels décrochés en moins de 11 secondes. Donc, c'est une garantie que l'on met en place, mais en général, on va même au-delà. Et en fait, toute l'entreprise est organisée autour de cette qualité de service et ce taux de décroché. Pourquoi ? Parce que maintenant, avec l'expérience que l'on a, on s'est tout de suite aussi rendu compte qu'une personne sourde ou malentendante, quand elle communique, contrairement à un entendant, elle va avoir deux temps d'attente, par exemple au téléphone ou même en face à face, c'est-à-dire qu'elle va avoir besoin de solliciter notre service à nous, et puis après, derrière, d'arriver à vous joindre, vous. Ce qui n'est pas le cas d'un entendant qui, lui, quand il appelle un établissement, il est directement mis en contact, donc il n'a pas de seconde temps d'attente. Et de ce qu'on a pu se rendre compte aujourd'hui, c'est quand on dépasse 30 secondes de taux de décroché dans nos services, l'utilisation de notre plateforme est divisée par 2. Et quand on dépasse 1 minute de temps de décroché sur nos services, l'utilisation de notre plateforme est divisée par 6. Donc, c'est hors de question aujourd'hui qu'on mette en péril, nous, ce taux de décroché-là. Et donc, c'est pour ça que toute l'entreprise est axée autour de ce taux de décroché, cette qualité de service. Voilà. Maintenant, je vais plutôt passer sur la partie Axéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'Axéo, qui, encore une fois, est un petit peu dans la même structure que Taleo. Sauf que là, on va vraiment pouvoir permettre, j'ai envie de vous dire, à un client ou un citoyen sourd ou malentendant d'utiliser notre solution pour contacter un établissement public ou privé.
Et donc, on a toujours les mêmes modes de communication. Donc, vous avez la transcription en de la parole, la visio-interprétation en langue des signes française et le visio-codage LPC. Voilà, donc c'est toujours, toujours sur les mêmes horaires d'ouverture et toujours sur le même service. Sauf que là, pour le coup, pour pouvoir permettre une communication et en tout cas permettre à une personne sourde d'utiliser la solution Axéo pour contacter un établissement, alors déjà, pour commencer, ce que vous avez à l'écran, c'est un petit graphique qui va permettre d'expliquer le fonctionnement d'Axéo. Alors, c'est exactement le problème que Tadeo, mais le schéma vous permet de comprendre en fait que quand une personne utilise Axéo, en fait, c'est une conversation à trois. Donc, sur la partie de gauche, vous avez la personne sourde ou mentante qui a utilisé notre solution. Au milieu, l'opérateur Axéo. Et sur la partie droite, c'est soit l'agent d'accueil, soit l'interlocuteur de la personne sourde qui va recevoir l'appel ou accueillir la personne sourde en face à face. Mais dans tous les cas, ce schéma permet de faire comprendre aux personnes qui ne connaissent pas forcément le système que de toute façon, une personne sourde ou mentante qui va avoir besoin de communiquer va forcément passer par une tierce personne et cette tierce personne, c'est l'opérateur Axéo. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, par exemple, sur une mise en activité téléphonique d'un établissement, la personne sourde ou mentante qui va solliciter Axéo, donc elle va avoir plusieurs chemins d'accès qui vont être proposés, que je vous montrerai après. Mais une fois que la personne sourde est connectée avec la plateforme Axéo, donc là, vous avez une relation en visio entre la personne sourde et malentendante et la plateforme Axéo, parce qu'il y a besoin d'avoir cette visio pour échanger et faire la traduction. Mais entre la plateforme Axéo et votre service, c'est un appel téléphonique normal. C'est-à-dire qu'en fait, l'opérateur Axéo vous appelle sur votre numéro de téléphone comme n'importe quel citoyen, par exemple. Et c'est lui qui va être là pour faire la traduction dans les deux sens entre la personne sourde ou malentendante et vos services. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, quand on met en place Axéo pour une activité téléphonique, de votre côté, ça ne change strictement rien. Sauf que, comme je vous disais à l'instant, au lieu d'avoir le citoyen sourd ou malentendant en ligne, c'est l'opérateur Axéo qui est là et pour accompagner les deux parties et permettre cette communication. Alors, les différents chemins d'accès que l'on met en place pour permettre à une personne sourde ou malentendante de contacter un établissement. Donc là, vous le avez par exemple, le premier chemin d'accès que vous voyez à l'écran, ça va être sur le site internet de l'entité concernée. Où là, on implante sur le site internet de l'entité concernée le pictogramme que vous voyez ici qui est en rapport avec la sûreté, ce qui va donner l'information tout de suite aux citoyens sourds ou malentendants que les services de par exemple, la ville de Massy sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Donc là, ça va inviter la personne sourde à cliquer sur ce pictogramme. Et une fois que la personne sourde clique sur ce pictogramme, en fait, ça ouvre une interface Axéo aux couleurs de l'entité rendue accessible, dans laquelle vont être énumérés les différents services rendus accessibles via notre solution, ce qui va permettre à la personne sourde de faire le choix du service qu'elle a besoin de contacter. Je donne un exemple, sur une ville, quand la première interface s'ouvre, vous pouvez avoir l'accueil de la mairie, la police municipale, les écoles, enfin tous les établissements et services sur la compétence d'une entité. Et donc, ça va permettre aux citoyens de choisir l'établissement qu'il a besoin de contacter. Et une fois qu'il va avoir fait son choix, c'est l'application Axéo qui va s'ouvrir sur son support informatique dans lequel il va faire son choix de communication, donc la langue des signes, la transcription ou le codage LPC, ce qui va en fait permettre d'orienter l'appel vers le bon opérateur Axéo. Et une fois qu'ils sont mis en relation ensemble, c'est là où l'opérateur Axéo, lui, de l'autre côté, il vous appelle directement sur votre numéro de téléphone et il va être en charge de faire la traduction dans les deux sens pour permettre cette communication. Second chemin d'accès, qui est toujours pour l'accessibilité téléphonique pure et dure, où là, en fait, le chemin d'accès va être via le site internet Axéo, où en fait, nous, on demande à tous nos partenaires de nous communiquer leur logo. Et donc, on va implanter le logo de l'entité concernée sur notre site. Et en fait, derrière ce logo, on va retrouver exactement la même interface de communication que celle qui est implantée sur le site internet de l'entité concernée, comme je vous parlais à l'instant. Et ça va permettre donc à la personne sourde ou mentante de contacter. Troisième chemin d'accès, c'est l'application Grand Public Axéo. En fait, c'est une application qui est complètement gratuite pour les personnes sourdes ou malentendantes. Mais ce qui est intéressant avec l'application Grand Public Axéo, c'est qu'elle va non seulement permettre à une personne sourde ou malentendante d'utiliser la solution Axéo pour passer un appel en mobilité, donc prendre son smartphone pour passer un appel téléphonique comme n'importe quelle personne. Mais avec cette application, ça va aussi pouvoir permettre à une personne sourde ou malentendante de se présenter à n'importe quel établissement sous la compétence de l'entité concernée. Elle met son téléphone en mode haut-parleur quand elle arrive à un accueil et elle sollicite directement la plateforme Axéo et là, elle peut échanger directement avec vous en face à face. Donc, c'est la personne sourde ou malentendante qui arrive elle-même avec la solution à l'accueil de l'établissement. Il faut savoir qu'avec Axéo, non seulement on va pouvoir permettre la communication avec une personne sourde ou malentendante, mais dans la population des personnes sourdes ou malentendantes, vous avez également les personnes âgées avec une baisse d'audition. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas rêver, ce n'est pas une personne âgée avec une baisse d'audition qui va arriver à l'accueil d'un établissement avec l'application Axéo sur son smartphone. On n'est pas tout à fait sur la bonne génération pour en arriver à là. Donc, ce que l'on propose, nous, dans ces cas-là, c'est qu'on délivre aux entités l'application Axéo professionnelle que vous voyez à l'écran là. Et en fait, cette application-là, c'est vous qui l'installez sur vos supports informatiques. Et donc là, c'est l'agent d'accueil qui peut directement solliciter la plateforme Axéo pour proposer la solution à une personne sourde ou malentendante qui est en face d'elle à son accueil. Et notamment, je pense surtout aux personnes âgées avec une baisse d'audition. Et donc là, vous avez juste à tourner votre écran, vous sollicitez la plateforme Axéo. Pour une personne âgée avec une baisse d'audition, vous avez forcément sélectionné l'outil de transcription. Et là, en direct, vous allez vous exprimer vous à l'oral. Votre voix est captée par votre support informatique. Le transcripteur Axéo à distance vous entend, transcrit les propos. Et comme ça, la personne sourde en face de vous comprend les éléments. Et la même chose en langue des signes française. Et c'est d'ailleurs dans l'application Axéo Pro que vous pouvez également retrouver l'option accès aux langues dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'option accès aux langues pour les langues étrangères a été aujourd'hui créée pour les échanges en face à face. Donc, dans le module accès au pro, vous avez l'option accès aux langues. Et ce qui va vous permettre, vous aussi, via votre support informatique, de solliciter
sur la plateforme Axéo un interprète en langues étrangères. Peu importe le choix de la langue, vous cliquez dans, dans le module accès aux langues, vous sélectionnez votre langue, et là, en fait, au lieu d'avoir un interprète en langue des signes, un codeur ou un transcripteur, bah, vous avez un interprète en langues étrangères qui va se connecter, qui va vous accompagner dans la communication avec la personne qui ne maîtrise pas le français. Voilà. Alors, pour répondre à ce besoin, aujourd'hui, on a créé trois plateformes en France. Donc, une première à Saint-Maur-des-Fossés en 94, le siège d'entreprise où je me trouve au moment où je vous parle. Une seconde à La Varenne. Et on a créé aussi, bien évidemment, maintenant, une plateforme dans un tout petit village du Haut-Jura qui s'appelle Les Bouchous. C'est un petit village de 350 habitants. Et en général, on me demande qu'est-ce qu'on a été faire pour aller s'implanter par là-bas. Donc, pour vous dire, donc déjà, c'est le village de vacances de notre PDG, donc c'est une bonne raison. Mais il y a quand même d'autres raisons par rapport à ça. C'est que maintenant, en fait, notre idée, c'est d'implanter nos plateformes en zone rurale pour aller créer de l'emploi. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur le village des Bouchous, vous voyez ici à l'écran. On a récupéré en fait sur la partie où je vois ici, c'est l'ancienne gendarmerie du village. Donc bâtiment qu'on a complètement réhabilité, j'ai envie de vous dire, à toute forme d'handicap, c'est un peu la moindre des choses vu notre métier. Mais la grande particularité de cette plateforme, c'est que non seulement vous avez une plateforme Axéo avec des opérateurs acteurs Axéo et Tadéo, hein, des interprètes en langue des signes, des transcripteurs, des codeurs, mais on a surtout implanté dessus notre école de formation métier de transcripteur. Parce que c'est un métier que l'on a créé pour le coup. Donc, c'est un métier qu'on a créé maintenant il y a plus d'une vingtaine d'années. Et en quoi consiste le métier de transcripteur? Donc, c'est vraiment un métier de transcription que nous, on a créé de notre côté. C'est un métier qui découle de la stéréotypie. Mais en fait, quand on a créé les solutions Axéo et Tadéo, on s'est dit, on est là pour créer une solution pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer. Mais le problème de communication qui découle de la surdité, il est aussi bien pour la personne sourde que pour la personne entendante, parce qu'on est sur une problématique de communication, donc il est important de prendre le besoin des deux côtés. Et on s'est vite rendu compte qu'on a créé le module de transcription, que ce qui intéressait la personne sourde et malentendante dans une communication, c'est que l'écrit arrive aussi vite que la parole pour être traité de façon équivalente avec un entendant. Par contre, nous, entendant, ce qui va nous choquer dans une transcription, c'est les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un transcripteur, en temps réel, il est capable de dépasser le flux de la parole tout en corrigeant ses fautes d'orthographe et ses fautes de grammaire sans qu'il y ait plus de 3 secondes d'écart entre les propos émis oral et les propos à l'écrit. Je pense que vous avez vu depuis le début de notre échange que moi, j'ai un débit de parole qui va très, très vite. D'ailleurs, j'espère que vous arrivez à suivre tous les échanges parce que je parle quand même très, très vite. Alors, je vous explique quand même pourquoi, hein, parce que moi, en fait, je suis un ancien dyslexique. Je fais partie des rares cas en France où on a réglé mon problème de dyslexie, sauf que le problème de dyslexie est souvent associé à un grand débit de parole. Donc, bien évidemment, on a réglé mon problème de dyslexie, mais pas mon problème de débit de parole. Donc, des fois, ça va un petit peu vite. Donc, d'ailleurs, si jamais à un moment ou à un autre, vous avez des problèmes à capter certaines informations, n'hésitez pas à me faire reformuler, je suis habitué, j'aurai pas de problème. Et donc, pourquoi je vous explique cela? C'est que quand le métier de transcripteur a été créé, il faut savoir que la vitesse moyenne de la parole est à 200 mots par minute. Bon, la mienne est à 240 mots par minute. Mais en fait, un transcripteur, il est capable de monter jusqu'à 270 mots par minute. C'est pour ça qu'en fait, qu'il ait eu une préparation ou non sur une intervention ou sur la transcription d'une communication, le transcripteur sera complètement à l'aise dans sa transcription parce que vu sa cadence de frappe, il peut suivre n'importe quelle conversation sans préparation. Voilà. Bon, là, bien évidemment, c'est un schéma pour vous expliquer que l'organisation de l'entreprise est 100% intégrée. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on ne fait aucune sous-traitance. Tous les opérateurs, tous les développements techniques et informatiques sont intégrés à l'entreprise. Donc, on ne fait aucune sous-traitance par rapport à ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à avoir cette qualité de service et ce taux de décroché. Donc, ce que je vous propose maintenant, moi, c'est de vous faire… Déjà, de vous expliquer, si vous voulez savoir un petit peu, les établissements qui sont déjà rendus accessibles avec la solution Axéo. Alors, pour vous donner un ordre d'idée avec la solution Axéo, aujourd'hui, on équipe 8500 communes en France. Donc, il y a plus de 8500 communes qui sont équipées avec la solution Axéo. On équipe 45 départements. On équipe l'ensemble du réseau Pôle emploi. On équipe des CAF et des CPM. On équipe aussi des CAP emploi. Et on équipe aussi l'ensemble des ministères et l'ensemble des services de l'État sur le territoire. Donc, ça, c'est ce que l'on fait dans le service public aujourd'hui avec la solution Axéo. Pour la partie privée, j'ai envie de vous dire, alors là, on rend pratiquement accessible 95% du parc des banques et assurances de France, mais vous avez également des grandes enseignes comme Fnac, Darty, France Billet, ACR. Si vous voulez vraiment avoir une idée des établissements qui sont rendus accessibles via la solution Axéo, je vous laisse à la limite faire un tour sur le site internet Axéo. Donc, vous allez sur acce-o.fr, vous allez dans la rubrique de recherche par logo et vous allez voir tous les partenaires équipés de la solution. Voilà, donc là, comme ça, ça permet de vous donner une idée un petit peu des établissements équipés de notre solution. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va faire une démonstration en direct de la solution Axéo. Bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est exactement le même principe qu'avec Tadéo, mais ça me permet en tout cas de pouvoir vous faire une démonstration à distance et vous montrer un petit peu comment marche la solution. D'accord. Monsieur Allard ? Oui. Je voulais savoir, en Guadeloupe, est-ce que vous avez une liste des établissements qui sont équipés avec Axéo et au moment où je vous parle, est-ce que vous voyez toujours mon écran ? Oui. Là, vous voyez le site internet d'Axéo, oui, à l'écran ? Eh bien, regardez, oui, ce qu'on va faire. On va taper Guadeloupe. Ah. Là, tous les points orange que vous voyez apparaître sur
Je vais faire un peu d'humour, mais sur votre magnifique île, pour le coup, parce que je suis un bon visiteur de la Guadeloupe, donc ça fait toujours plaisir de voir des points orange comme ça sur cette île, de mon côté, pour toi, en tout cas. Et quand vous cliquez sur liste, vous avez l'activité. D'accord. Et là, vous savez qui est équipé ou non sur la réunion de notre solution. Donc, vous avez, par exemple, des audioprothésistes. Vous avez bien évidemment, toujours des audioprothésistes. Vous avez toutes les agences Alliance qui sont équipées de nos solutions. Les agences D'accord. Alliance, vous avez les magasins audition conseil qui sont équipés. Et vous avez bien évidemment aussi les services de l'État qui doivent l'être, parce que vu qu'on équipe l'État, vous avez aussi des services décentralisés sur l'île de Guadeloupe qui sont équipés. Donc encore des audioprothésistes, vous avez les magasins Alain Flelou, des magasins d'optique, les casinos les supermarchés qui sont équipés de la solution, la direction des affaires culturelles et du patrimoine qui est équipée également. Vous avez encore des opticiens, des opticiens, des opticiens, des opticiens, des opticiens. Je continue à regarder avec vous en même temps. Vous avez toute la partie handisport qui est équipée, parce qu'on est le premier partenaire de la Fédération française de handisport avec Axéo. Donc, tous les établissements sous compétence de la FFH, vous pouvez les contacter sans problème. Encore des opticiens. Il y a beaucoup d'opticiens. Oui, parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, les opticiens qui ont maintenant tendance à se lancer un petit peu dans l'audioprothèse, ils ont eu besoin de se rendre accessible pour le coup, parce que de pouvoir équiper des personnes sourdes, pour le coup, il faut être équipé d'une solution. Donc, il y a eu cette élite-là. Vous avez le ministère des Armées sur les établissements sur l'île de la Guadeloupe qui sont équipés. Bon, après, vous avez encore plein d'opticiens. Et là, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il manque une grande dynamique auprès de la Guadeloupe sur l'accessibilité déjà du département et des villes. Et on est en équipe beaucoup aujourd'hui, donc ça c'est. On a des échanges avec certaines villes, mais il serait intéressant, oui, de pouvoir rentrer en contact avec les villes et le département pour pouvoir rendre accessibles tous les services sous la compétence des villes et des départements. Ça peut être aussi intéressant. Oui. Ce qui aujourd'hui n'est pas fait, mais on le fait sur notre territoire. Donc ça c'est un peu pour vous montrer, donc comme on disait, okay. les établissements rendus accessibles sur la Guadeloupe. On va revenir sur la page d'accueil. Donc là, en plus, j'ai envie de vous dire, ça nous a permis de voir un petit peu la géolocalisation et les activités. C'est ce qui est un des premiers modules de recherche sur le site internet d'Axéo. Ce module de recherche, j'ai envie de vous dire, plaît beaucoup aux établissements que l'on accessible. Les personnes sourdes, elles n'en ont strictement rien à faire. Et ce qui les intéresse beaucoup plus sur notre site, c'est la recherche par logo, parce que forcément, on est sur une recherche visuelle, ce qui va, en termes de sensibilité, que nous permet de plus toucher le public sourd ou malentendant. Et donc là, sur la recherche par logo, vous rentrez dans une recherche par logo et vous avez bien évidemment tous les établissements qui sont rendus accessibles à notre solution. Et donc là, je rentre dans la recherche par logo et après, vous pouvez affiner la recherche. Mais je vais vous montrer déjà je vais vous faire déjà une démonstration via le site internet d'une entité concernée et je vous montrerai après qu'il est très facile de la retrouver aussi sur le site internet d'Axéo. Donc bien évidemment, je vais vous prendre l'exemple de la MDPH de La Réunion, qui est équipée de la solution depuis maintenant 2 mois d'ailleurs. 2 mois. Donc là, en fait, la personne sourde qui se rend directement sur le site internet de la MDPH de La Réunion, vous voyez ici, vous avez le fameux pictogramme en rapport avec la sourdité. Donc là, ça m'a invité la personne sourde à aller cliquer sur ce pictogramme. Et voilà ce qui se passe quand elle clique sur ce pictogramme. Donc en plus, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé une page de présentation de la solution ensemble avec la MDPH sur le site de la MDPH, qui permet de montrer un petit peu la dynamique de la MDPH sur cette mise en activité, qui explique le fonctionnement de la solution. Et là, en fait, ici, vous avez le lien d'accès directement à la solution Axéo. Et quand vous cliquez dessus, c'est pas ici, pardon, ça c'était la page de présentation. Voilà. Donc ça, c'est là, en fait, toute cette explication montre le mode de fonctionnement d'Axéo, vous avez même des QR codes qui permettent aux personnes sourdes de télécharger l'application si jamais elles ne l'ont pas. Et là, le lien d'accès, vous le retrouvez ici. Et à partir du moment où j'ai cliqué sur le lien d'accès à Axéo sur le site internet de la MDPH, vous pouvez constater une chose déjà, c'est qu'on n'est même plus sur le site de la MDPH, on est déjà chez Axéo. Donc le lien qui est implanté sur le site de la MDPH ne viendra jamais perturber le fonctionnement du site. Hein. Donc dans cette première interface, que je vous disais, la personne sourde va pouvoir choisir l'établissement qu'elle a besoin de contacter sous compétence de la MDPH de La Réunion. Vous avez le siège social, vous avez les antennes. Et on a même créé aussi une zone de saisie, c'est-à-dire que les conseillers de la MDPH qui ont des numéros de portable, par exemple, leurs numéros portables sont également rendus accessibles. Donc, si une personne est suivie par tel agent de la MDPH, elle peut directement rentrer son numéro de téléphone dans l'interface que vous voyez là et il va pouvoir contacter directement sur son mobile l'agent de la MDPH. Donc là, je vous montre directement comment ça marche. Bon, imaginons que j'ai besoin de contacter le siège social de la MDPH, je clique dessus. Alors, est-ce que vous voyez correctement vous la fenêtre Axéo qui s'est affichée dans le partage ou vous êtes encore uniquement sur le site de la MDPH? Parce que des fois, avec les partages sous Zoom, ça peut perturber. Non, c'est bon. On voit Vous voyez les modes de communication? Voilà. Oui. Donc, une fois que la personne, comme je vous l'ai montré à l'instant, a fait son choix donc du service à contacter, elle va faire son choix sur son mode de communication. Donc, si c'est une personne sourde ou mentante qui oralise, va utiliser la transcription, celle de la parole. Si c'est une personne sourde qui exprime en langue des signes française, elle va utiliser la langue des signes française. Et si c'est soit un enfant qui est en cours d'apprentissage de la parole ou même un adulte qui utilise le codage LPC, le codage LPC est également disponible. Donc là, on va se mettre dans la peau d'une personne sourde qui exprime en langue des signes française. Donc je vais cliquer sur langue des signes française. Et vous allez voir, en moins de 30 secondes, il y a un opérateur qui va décrocher.
Bonjour madame, c'est Julien. Je fais une petite démonstration. Est-ce que tu peux traduire mes propos, s'il te plaît? On y va. Donc là, dans la démonstration que je vous fais, bon, bien évidemment, vous me voyez moi apparaître dans la petite fenêtre, hein, mais bien évidemment, c'est l'usager sourd ou malentendant qui devrait apparaître dans cette fenêtre. Donc là, imaginons, on se met dans une situation directe. Ben, vous êtes, on se met à la place de la MDPH de la Réunion. Mon téléphone sonne, je décroche au téléphone. Je m'exprime moi directement à l'oral. Et en fait, de ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que voit la personne sourde, elle, sur son écran à distance. C'est-à-dire que vous vous exprimez bah, directement au téléphone à l'oral comme avec n'importe quelle personne, et en direct, tous vos propos sont traduits à distance par l'opérateur Axio, ce qui va permettre à la personne sourde qui exprime en langue des signes à distance de comprendre les propos de l'agent d'accueil. Dans l'autre sens, donc là, moi, je vais me mettre dans la peau d'une personne sourde, je vais m'exprimer en langue des signes française, et vous allez voir bah, qu'en fait, l'opérateur Axio, bah, il me prête sa voix est portée par son micro-casque, et vous, quand vous êtes au téléphone de l'autre côté, bah, vous entendez la traduction en direct. Alors, bien évidemment, vu qu'on est en double visio au moment où je vous parle, vous n'allez pas vous entendre la voix de l'opérateur Axio, mais bien évidemment, je vais vous traduire ce que je dis en langue des signes. Oui. Donc là, bonjour. Donc, vous avez vu l'élève de l'opérateur Axio qui bouge. Donc, de l'autre côté, vous avez la traduction. Comment allez-vous? Bon, ça, c'est mon niveau en langue des signes française. Ça ne va pas changer très, très loin, mais bon, le principe est là. C'est vraiment pour vous montrer que d'un côté, ça permet, bah, dans la communication avec une personne sourde, donc en fait, l'opérateur Axio, il prête sa voix à la personne sourde qui s'exprime en langue des signes pour communiquer avec votre agent d'accueil, et dans l'autre sens, il prête ses mains à votre agent d'accueil pour communiquer à distance avec la personne sourde qui s'exprime en langue des signes. Merci pour la traduction, à bientôt. Au revoir. Voilà, donc là, vous étiez sur un premier chemin d'accès avec un premier mode de communication. Second chemin d'accès, donc là, on va passer par cet Axio, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on arrive dans la recherche par logo. Et là, en fait, vous allez dans la catégorie région, département et MDPH. Et en cliquant dessus, je vais retrouver, bien évidemment, bah, le logo de la MDPH de la Réunion sur lequel je vous ai fait une démonstration. Donc là, vous allez voir au passage bah, les différents départements et MDPH qui sont déjà équipés de notre solution. Donc, je vais juste retrouver, moi, le logo de la Réunion. Ça, c'est le Haut-Rhin. Le Var, c'est pas celle-ci. Si jamais vous reconnaissez le logo avec moi, n'hésitez surtout pas à me le dire, parce que je ne les connais pas tous par cœur. Voilà. Antenne. Voilà, ici, tac. Voilà. Donc là, en fait, en cliquant sur le logo de la MDPH de la Réunion, bah, vous voyez qu'on retrouve exactement la même interface de communication que celle que vous avez vue sur le site de la MDPH. Et là, même principe, hein, si on a besoin de contacter le siège social, on clique sur le siège social. Mais là, ce coup-ci, on va le faire en transcription, c'est de la parole. Donc, on va se mettre dans la peau d'une personne sourde ou entendante qui oralise. Bonjour, monsieur. C'est Julien. Je fais une petite démonstration. Est-ce que tu peux transcrire mes propos? On y va. Donc là, dans la démonstration que je vous fais, je suis toujours à la place de votre agent d'accueil. Je m'exprime directement à l'oral et en direct, tous mes propos sont remis par écrit à la vitesse de la parole. Ce qui va permettre non seulement la communication avec une personne sourde ou malentendante qui oralise, mais également une personne âgée avec une baisse d'audition. Vous avez les corrections en direct. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure dans le cadre de notre métier. Alors, tu peux arrêter la transcription. Je vais montrer certaines options dans l'interface Axio. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi avoir des personnes sourdo-entendantes qui peuvent avoir des problèmes de vue. J'ai envie de vous dire, les personnes sourdo-entendantes, c'est comme tout le monde. Hein, on peut avoir des problèmes de vue en vieillissant. Donc déjà, dans les interfaces Axio, il faut savoir que la personne peut gérer les contrastes. Donc, déjà, on peut jouer sur les contrastes pour mettre une meilleure lecture. On peut également jouer sur la taille de la police, ce qui va permettre un meilleur confort. La personne sourde ou entendante qui oralise, si elle a des difficultés d'oralisation, par exemple, peut aussi compléter ses propos à l'écrit, comme vous voyez ici. On a aussi créé un chat to speech. Donc, dans l'interface Axio, la personne peut aussi, on peut permettre aussi l'accompagnement avec finalement d'autres sensibilités ou d'autres types de handicap. Une personne sourde aveugle, par exemple, qui va utiliser notre solution, va pouvoir aussi utiliser une plage braille. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici en écrit français, si une personne sourde aveugle connecte en USB une plage braille sur son ordinateur, tous les propos que vous voyez ici en français, ils sont traduits en braille également. Donc, il y a aussi pas mal d'options dans les interfaces qui permettent aussi d'accompagner d'autres types de handicap. Merci pour votre inscription. À bientôt. Au revoir. Donc là, vous avez vu les deux premiers chemins d'accès avec les deux premiers modes de communication. Je vais vous montrer maintenant, je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous montrer aussi le mode de fonctionnement via l'application Grand Public Axio, et en fait, qui va être le pont
entre gérer l'activité téléphonique et l'activité physique d'un établissement. Vous inquiétez pas, je vais régler mon problème de caméra parce que vous voyez tout blanc, mais ce n'est pas l'idée. Voilà, mais voilà. Tac. Et je vais vous montrer comment ça marche sur l'application Grand Public. Alors, je change juste de caméra, comme ça je vais pouvoir vous montrer en latéral. Alors, voilà comment marche l'application Grand Public. Donc, l'application Grand Public qui va non seulement permettre à une personne sourde ou malentendante de vous contacter via son mobile, mais également de venir à votre rencontre directement avec son smartphone, en mettant son smartphone en mode haut-parleur, et vous pourrez échanger avec vous. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, la personne sourde ou entendante choisit l'application Axéo que vous voyez ici. Donc elle lance l'application. Elle va pouvoir rentrer dans l'application. Donc là, on a un module de recherche directement intégré. Et là, vous voyez, l'application Axéo s'ouvre. Et dans l'application Axéo, on a créé exactement les mêmes modes de recherche que sur notre site internet. Donc vous avez géolocalisation, activité et par logo, comme vous voyez là. Donc moi, je vais taper réunion. J'ai juste tapé réunion, et vous voyez tout de suite réapparaître le logo de la MDPH de la réunion. Donc, imaginons que j'ai besoin de la contacter, je clique sur le logo, on retrouve exactement la même interface de communication que celle que vous avez vue sur notre site internet ou sur l'heure. Donc là, on fait son choix dans la première interface, donc pareil, le siège social si jamais j'ai besoin. Une fois que j'ai cliqué sur siège social, je vais pouvoir choisir mon mode de communication, la transcription en langue des signes, le code AGLPC ou même la transcription automatique. Je vais faire une sollicitation en langue des signes française, parce que ce qui va être intéressant là, c'est que vous allez vous entendre directement la voix de l'opérateur Axéo parce qu'elle est portée par le smartphone. Donc, je clique sur langue des signes française. Et pareil, vous allez voir, en moins de 30 secondes, quelqu'un qui va décrocher. Ah, tu vois, on retombe encore ensemble. Je fais toujours une petite démonstration. Tu peux traduire mes propos? On y va. Donc là, imaginons, je suis à l'accueil d'un de vos établissements. Je suis toujours à la place de l'agent d'accueil. Hein. Je m'exprime directement à l'oral. Ma voix est captée par mon smartphone. J'ai le citoyen sourd qui s'exprime en langue des signes en face de moi. En direct, tous mes propos, ils sont traduits en langue des signes. Et donc, dans l'autre sens, comment ça se passe? Donc là, moi, je vais reprendre la peau d'un usager sourd ou malentendant et je vais pouvoir m'exprimer directement en langue des signes et vous allez entendre, vous, la traduction en direct. Vous voyez le principe, hein. L'avantage de l'application complexe, c'est que ça va vraiment permettre aux citoyens sourds ou malentendants d'avoir la solution avec lui en permanence dans la poche, que ce soit pour passer un appel téléphonique ou même d'aller à votre rencontre en face à face. Merci pour la traduction, à bientôt. Au revoir. Et pour finir, donc je vous partage encore une fois mon écran, je vais vous montrer comment marche la solution Axéo Pro. Donc là, vous sollicitez directement la plateforme via votre support informatique. Voilà, donc je vous partage mon écran. Tac. Voilà, donc là directement sur votre support informatique, vous avez le logo Axéo Pro comme vous le voyez ici. Donc là, je me mets à votre place à vous, vous êtes agent d'accueil. Vous avez une personne sourde ou malentendante qui arrive à votre accueil. Vous cliquez directement sur l'application Axéo Pro. Vous avez votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter. Vous vous connectez. Et là, il faut savoir que la solution Axéo ou Axéo Pro, tout a été organisé pour être utilisé en libre service, bien évidemment, mais vous pouvez également faire des réservations si vous avez besoin. Je prends notamment l'exemple d'une MDPH. Si vous savez que vous avez rendez-vous avec une personne sourde et que votre échange va durer plus de 30 minutes, il faut savoir que dans tous les cas, n'importe quel échange, on gérera, nous, la traduction de A à Z, même si vous dépassez 30 minutes, ce n'est pas ça le problème. Sauf que quand vous faites une réservation, par exemple, et que vous savez que vous allez avoir un échange qui va durer plus de 30 minutes, au bout de 30 minutes, les opérateurs Axéo font ce qu'on appelle une rotation. C'est-à-dire qu'un interprète en langue des signes ou un transcripteur, il va gérer 30 minutes de communication, mais pas au-delà. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est si vous n'avez pas fait de réservation, vous avez un nouvel opérateur qui va apparaître dans l'interface Axéo pour continuer à vous accompagner dans l'échange, mais il n'aura pas entendu le début de la conversation. Donc, il faudra lui expliquer un petit peu l'environnement de la conversation et le sujet de l'échange. Si vous avez fait une réservation, au début de votre échange, vous n'aurez pas un opérateur Axéo, mais deux. Donc, quand vous arriverez au bout de 30 minutes de communication, le second opérateur Axéo qui aura suivi la conversation va prendre le relais, mais il aura déjà entendu le sujet de la conversation. Donc, ils seront dans tous les cas plus à l'aise pour continuer la conversation. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur Libre Service, vous avez toujours accès à la vision d'interprétation langue des signes, la transcription de la parole, le code AGLPC, une solution automatique, et c'est là où vous avez accès au fameux panel de langues étrangères. Et donc là, si vous avez besoin d'échanger avec un citoyen qui ne maîtrise pas le français, vous sollicitez la plateforme sur les langues étrangères, et là, vous avez un interprète en langue étrangère qui se connecte, qui vous accompagne. De mon côté, j'ai fini de vous présenter Axéo et Tado. Je pense que vous avez des questions, donc je suis là pour y répondre, allez-y. Alors, on va regarder dans le chat s'il y a des questions. Alors, il y avait plus de participants, mais ils se sont déconnectés. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas.
Pour l'instant, ça a été très clair. Mais moi, j'ai une petite question en termes de coûts pour les structures, les établissements qui souhaitent s'équiper avec Axéo et Tadéo. On est sur quel tarif environ? Ah bah je vais tout vous expliquer. C'est, alors, par exemple, il existe autant de tarifs qu'il peut exister des établissements, parce que bien évidemment, on a créé des tarifs en fonction des établissements. Alors sur la partie Tadéo, c'est très simple. Alors là, pour le coup, ça va être en fonction du poste de travail de la personne sourde, de son activité, de ce qu'elle fait. Donc là, pour le coup, c'est du sur-mesure. Donc il suffit de rentrer en contact avec nous. Et là, c'est Tadéo qui va directement vous établir une offre. Mais on va surtout vous demander de rentrer en contact et de rencontrer la personne sourde pour étudier un petit peu son métier et de savoir ce qu'elle fait. D'accord. Et en fonction de ça, vous avez une tarification qui est mise en place avec un management de poste. Et bien évidemment, derrière, bah, vous avez les financements liés à la GFU, pour les FIVHFE pour la management de ce poste. Sur la partie Axéo, alors c'est très simple. Par exemple, une commune, je vous donne un exemple d'une commune. Une commune, c'est en fonction du nombre d'habitants de sa commune. Un département, pareil, c'est en fonction du nombre d'habitants du département. Une commune qui fait, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, qui a 10 000 habitants, l'abonnement d'Axéo, il va être de 1 400 euros hors taxe à l'année. D'accord, ok, Donc d'accord. c'est pas non plus Des des sommes, gros, non, c'est oui. pas des sommes mirobolantes. Mais par contre, ce que l'on a voulu faire, c'est que pourquoi on a organisé, je dirais, la tarification d'Axéo, par exemple sur une ville ou un département en fonction du nombre d'habitants, c'est que derrière, l'usage est illimité. Et peu importe le nombre d'établissements ou le nombre de numéros de téléphone à rendre accessible, ça n'a aucun impact sur le financement. C'est-à-dire que justement, l'idée, c'est qu'on accède une ville, c'est que la ville nous donne tous les numéros de téléphone et tous les établissements sous sa compétence sans aucune limite, pour offrir aux citoyens sourds ou malentendants le même niveau d'activité et de communication qu'un citoyen lambda. D'accord. C'est pour ça qu'on estime qu'il n'y a pas à avoir de frustration par rapport à ça. Donc ni l'usage, ni le nombre de numéros de téléphone, ni le nombre d'établissements, il n'y a aucune limite par rapport à ça. OK. Et une entreprise privée qui souhaite juste être équipée, donc tu n'as pas un nombre de visiteurs défini, comment ça se passe par exemple? Bah là, ce qu'il faut pour le coup, si c'est une PME dont vous me parlez, ou un Par exemple, magasin on ou prend le autre. cas de Prospectiva qui veut mettre sur son site internet la possibilité d'avoir accès au, par exemple. Bah là, ça va être pour une entité comme Prospective Ads. Je vais vous dire, bah tiens, est-ce que vous avez une idée du volume d'appels entrants que vous gérez sur une année? Et par rapport à ça et l'expérience que l'on donne, on est capable de mettre en place un abonnement illimité à Axéo. Et en fait, par rapport au volume global que vous recevez sur une année, nous, on va estimer, bien évidemment, le niveau de sollicitation d'une personne sourde ou malentendante. Et là, vous avez un abonnement illimité qui est mis en place. OK, très bien. Très Donnez, bien. par exemple, je vais vous donner l'exemple, par exemple, je sais pas, d'une boucherie, d'une boulangerie. Donc ça, il y a des Oui. tarifs qui sont déjà définis. Et une boulangerie de quartier qui veut s'équiper d'Axéo, l'abonnement est de 95 euros hors taxe à l'année. OK, d'accord. Voilà, C'est tout ce vraiment que très accessible. voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est complètement accessible. Ce n'est pas une question de coût, c'est une question de volonté. C'est une question de Oui. volonté. Et puis nous, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on est arrivé, ça paraît un peu prétentieux, mais on est arrivé à un niveau d'établissement rendu accessible et un niveau de poste de travail qui ont été équipés, qui nous ont permis aussi de pouvoir tirer les coûts vers le bas. Parce qu'on a mutualisé les compétences, on a mutualisé les coûts. On n'avait pas non plus les mêmes coûts 15 ans auparavant, quoi, ou 20 ans auparavant, quand on venait de se créer, c'est certain. Maintenant, aujourd'hui, du fait d'en être là où on est, on arrive aussi à avoir des tarifs qui sont très intéressants. Et de toute façon, si vous avez besoin, il faut savoir que les solutions Axéo et Tadéo, alors je ne sais pas si vous êtes habitué ou pas de votre côté, mais en tout cas pour les établissements publics, les deux solutions sont référencées à l'UGAP, la centrale d'achat de l'État. D'accord, ok. Lucap, ok. D'accord, c'est noté. De manière, bon, les participants n'ont pas d'autres questions, mais en tout cas, ça a été très clair. On fera de toutes les manières le relais d'informations et les mises en contact nécessaires. On a décidé aussi, bah, vu que la semaine, bon, tous les participants n'ont pas pu forcément se connecter, c'est de mettre à disposition les replays. Par la suite, et de donner bah, toutes les informations et faire un focus sur Axéo et Tadéo, que ce soit sur les réseaux sociaux de Prospectivac ou le site internet. Et ben, ça sera avec plaisir. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin d'accompagnement sur le sujet, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On est vraiment là pour accompagner les établissements et c'est avec grand plaisir. Et si vous avez besoin d'avoir d'autres démonstrations, n'hésitez surtout pas même à rentrer en contact avec moi, je referai des présentations avec grand plaisir. Et s'il y a des établissements qui sont intéressés, et ben, n'hésitez non plus à nous contacter, on est là pour ça. Mais après, j'ai envie de vous dire, par exemple, quand vous rendez un établissement accessible avec la solution Axéo, de votre côté, au niveau du travail, vous n'avez pratiquement rien à faire. Tout le Oui, travail est c'est chez ça. nous, hein. Le travail est chez nous. Oui. Par contre, le travail que vous avez à faire de votre côté, c'est très important. C'est la communication qui découle de cette mise en accessibilité. Parce que de se rendre Exactement. accessible, c'est bien, mais de le faire savoir, c'est quand même mieux. Donc, Oui. c'est là où vous avez tout un accompagnement aussi de nos équipes en termes de communication. Vous avez aussi un accompagnement en termes de formation, parce que nos équipes vont aussi vous proposer aux établissements de former leurs agents d'accueil, parce que c'est bien de se rendre accessible, mais ça peut être aussi perturbant pour un agent d'accueil du jour au lendemain, s'il ne connaît pas la solution et ce qui a été mis en place. Pour qu'il y ait une réelle appropriation, c'est pour ça que les formations sont importantes aussi.
D'accord, très bien, très bien. En tout cas, nous vous remercions, Monsieur Allard. Madame Maisons a dû du coup quitter ce Zoom parce qu'il y a un autre Zoom de prévu. Donc voilà, mais en tout cas, nous vous remercions énormément et je pense que je regarde, je fais un dernier coup d'œil, je jette un coup d'œil sur le chat, il n'y a pas de questions. Bon, bah en tout cas, Voilà. n'hésitez pas si jamais on en a par la suite. On a des adresses mail, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera là pour vous accompagner. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Allard. Merci à vous, excellente journée. Merci à vous aussi.